Bonjour, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? C'est une grande découverte pour moi que de faire un live sur YouTube. Donc j'espère surtout que vous êtes avec moi. Je vais juste vérifier sur mon PC que tout fonctionne bien et que le live est bien activé. Alors, hop, normalement, ça devrait fonctionner. Je vais vérifier ça. Hop, il devrait y avoir normalement le chat également d'activer. Je vais voir ça tout de suite. Hop. Alors, est-ce que ça fonctionne? Hop. Donc, a priori, ça a l'air d'être bon. La seule chose, c'est que je ne vois pas le chat. Ah, mais si, voilà. Alors, voyons voir, est-ce que... Hop. Si, c'est bon, nickel, je vous vois, nickel. Donc, il y a Sandrine, Sandra, Marianne, les Sam coucou. Ah, bah super, tout le monde arrive, Pamela, Jacqueline, oui, coucou. Ah, génial, depuis la Suisse. Ah, bah je suis enchantée, je ne savais pas trop si ça allait fonctionner. J'espère surtout que vous m'entendez bien, que tout va bien, que le son est OK, tout, voilà, l'image, tout, voilà. Coucou Nasie-Ange, oui, je me suis doutée que c'était toi, ma belle. Bonjour Dominique, le chat c'est OK, parfait. Ben, moi aussi je vois tout, donc c'est nickel. Nadine vient de nous rejoindre, Sophie, Créabiti, OK, parfait. Flo, coucou ma belle. Ah bah je suis contente de vous voir. Alors voilà, grande nouveauté pour moi aujourd'hui, je teste YouTube. Vous aviez été plusieurs à me dire que notamment vous n'aviez pas Facebook, ce que je peux tout à fait comprendre. Et bah du coup, je me suis dit, allez hop, je vais essayer un live via YouTube. On va voir ça. Donc grande nouveauté, j'étais pas sûre que ça fonctionne bien, mais ça a l'air d'être bon. Je vois bien vos chats, donc c'est parfait. Donc il y a Angie, Agnès, Claudine, coucou, super, Nadine, Cathy, hello, hello, mais c'est génial, on est super nombreuses, je suis super contente. Hop, je vais juste, voilà, nickel, parfait. Alors, je vais me présenter tout d'abord avant de commencer, parce que je vois qu'il y a des petites nouvelles qui ne me connaissent pas forcément. Donc, moi, c'est Miss Crap, mais vous me connaissez aussi peut-être sous mon nom et mon prénom. Donc, Aude, mon prénom, Barbara, le nom de famille. Voilà, vous allez me retrouver donc sur mon blog, sur Facebook et ici sur YouTube. Je suis enchantée de vous retrouver. Franchement, c'est vraiment top. Coucou, mamie Chlo. Oui, ma belle, j'avais bien reconnu, t'inquiète pas. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, du coup, je suis avec vous pour un petit scrap et papotage. Alors, qu'est-ce que c'est que le scrap et papotage? Eh bien, en fait, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Non seulement on va scraper un petit peu ensemble, mais aussi et surtout, eh bien, c'est l'occasion pour vous de me poser toutes les questions que vous souhaitez. Je me réserve le droit de ne pas forcément répondre à certaines, mais en tous les cas, n'hésitez surtout pas si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, etc. C'est le moment ou jamais de les poser, ces questions. Voilà. Alors, donc ça, c'est pour la partie papotage. Mais il y a la partie scrap. Alors aujourd'hui, comme je ne savais pas trop qui allait être là, qui n'allait être pas là, eh bien justement, je vous ai préparé un petit mini-album vraiment très simple, vous allez voir. Je l'ai plutôt appelé, c'était un mini plutôt pour les débutantes. Mais voilà, ça nous permettra aussi de scraper ensemble et de s'amuser un petit peu ensemble avec ben voilà, un dimanche soir, ce sera... Ce sera un petit peu différent de d'habitude. Coucou ma belle Pascale! Il y a Karine, Colette, hello, hello! Mais je suis enchantée, franchement, c'est trop top de vous retrouver là. J'avais toujours, voilà, j'avais jamais testé, donc du coup, grande nouveauté. C'est top, c'est bien. Si vous voyez tout, c'est nickel. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? En attendant, n'hésitez pas à me poser vos petites questions. Moi,
Up, même sur Stampin' Up, ma vie privée, etc. N'hésitez pas. Je vais vous présenter quand même le projet que l'on va faire ensemble. Alors voilà, un mini tout simple, un petit mini trois volets, comme je l'appelle, vraiment facile pour les débutantes. Vous allez voir, je vous ai préparé les schémas, etc. de coupe. Vous allez le faire avec ce que vous souhaitez, bien entendu. Moi ici, j'ai travaillé avec une collection qui s'appelle Pampered Pets. C'est sur nos animaux de compagnie. Alors, Annie, oui, t'inquiète pas. Annie, alors, l'album, pas de souci, il restera sur YouTube ici. Donc, tu pourras le revoir autant que tu le souhaites. Et je vais le mettre aussi sur le blog. Voilà. Coucou Ingrid. Alors voilà, ouais, là je suis gâtée, comme tu dis, Nazi-Ange, effectivement. Donc voilà, un mini-album. Alors je vous montre quand on l'ouvre, regardez un petit peu, voilà. Donc deux, trois volets, vous pourrez y mettre plus de photos, moi, que ce que j'ai mis, mais je voulais quelque chose d'assez simple pour des personnes qui débutent en scrap. J'ai trouvé cette collection trop mignonne. Voilà, donc du coup, moi, je vais travailler avec ça. Alors, bien entendu, moi, j'ai fait la version chat, vous le savez, il y a fripouille, mais on va travailler ensemble avec la version chien. Et en fait, je vais vous montrer ça un petit peu. Hop, voilà. Ce petit chien que je vous montre à l'heure actuelle. Oui, merci pour mon anniversaire de mariage. C'est top de le passer avec vous, je suis contente. Bon, je le passe aussi avec mon mari, je vous avoue. Alors, voilà, le petit chien que je vous présente là, ce n'est pas le mien, c'est celui de Sarah. Sarah étant la PDG de Stampin' Up. Et en fait, la collection avec laquelle je vais travailler aujourd'hui devant vous, eh bien, regardez. Donc ça, c'est son petit chien à elle. Et regardez un petit peu dans le set de tampons. En fait, le set de tampons, c'est eh bien, le petit chien qui est représenté dans le set de tampons, c'est Sally, je crois qu'elle s'appelle, c'est une petite chienne qui, voilà, Sadie, pardon, une petite chienne donc qu'elle a et voilà, qu'elle a représentée notamment sur ce set de tampons. Voilà, voilà avec quoi on va travailler aujourd'hui. Oulala, ça défile. Coucou Delphine. Sandrine, top, si ça vous plaît ce live, c'est cool. Fabienne, Karine, coucou ma belle. Oui, oui, fripouillé là, t'inquiète pas, il est là, Betty, pas de souci. Merci pour l'anniversaire. Alors, c'est pas le mien, c'est mon anniversaire de mariage, hein, d'accord. Moi, le mien, c'est en novembre. Alors, Agnès, la collection de chevaux, bonne idée. Je soumettrai l'idée, je note parce qu'on a une boîte à idées. Donc, pas de problème, je vais soumettre l'idée avec des chevaux, etc. Pas de souci. Voilà. Alors, c'est vraiment top de vous retrouver là. Donc voilà un petit peu pour l'histoire du set de tampons. Moi, j'adore cette collection. J'avoue que quand je l'ai vue, je me suis dit chic. Enfin, une collection avec des petits chats, c'est top. Alors, eh bien écoutez, si vous êtes prête, alors pour se travailler avec ce mini-album, il va vous falloir une collection de papier imprimé, celle que vous souhaitez. Il va vous falloir un papier cartonné pour faire la structure. Donc moi j'ai travaillé avec des feuilles A4, donc 21-29-7, donc une feuille pour la structure. Donc moi, comme vous l'avez aperçu sur les photos, ce sera ma feuille de noir. Il va vous falloir une feuille intérieure qui peut être différente. La mienne, elle est rouge. Pareil, une feuille A4, du papier blanc également, une feuille A4. Et puis après, j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir avec eh bien, vos sets de tampons, les papiers que vous souhaitez travailler, etc. Voilà. Alors, c'est parti, c'est parfait. On dirait, voilà, oui Nadine, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi aussi, quand j'ai vu ce petit chien, il m'a fait penser tout de suite au chien de la Belle et le Clochard, j'avoue. J'ai eu la même réaction que toi. Voilà. Alors, je vais basculer comme d'habitude la caméra hop, sur le plan de travail. On se retrouve tout de suite après. Mais vous inquiétez pas, vous pouvez tout à fait. Josie, t'inquiète pas, t'es pas en retard. Il n'y a pas de problème, on papote pour le moment. Voilà. Donc, je disais que je vais basculer la caméra. On va se retrouver sur le plan de travail. On va travailler tranquillement ensemble. Vous me posez toutes les questions que vous souhaitez, il n'y a aucun souci. Et puis, eh bien, on va scraper un petit peu ensemble en ce dimanche soir. Allez, c'est parti. Hop, voilà. Alors, voilà le plan de travail.
Hop. Tac. J'espère que... Ouais, en même temps, je regarde sur le PC si tout se passe bien. C'est top. Comme ça, on voit que tout est OK. Ah, coucou, génial. Ah, mais je suis contente que Mowgli, tu sois là. C'est top. Franchement, vous êtes au top, les filles. C'est top, top, top. Franchement, de vous retrouver, je suis trop contente. Alors, voilà le mini-album que je vous propose. Donc, un mini-album vraiment pour les débutantes. Je pense que les personnes un peu plus expérimentées, j'espère sincèrement que vous n'allez pas vous ennuyer. Mais comme je ne savais pas qui allait être avec moi, pardon, eh bien, j'ai préféré commencer simplement. Alors, un mini-album, vous le voyez tout en longueur, puisqu'en fait, il fait 21. Donc, j'ai travaillé, hop, sur ma page A4. Alors, en même temps, je lis vos commentaires, hein, donc pas de souci. Agnès, oui, avec des bulles ce soir, oui, après le live, parce que sinon, hop. Mon anniversaire, oh là là, c'est le 22. Voilà, le 22 novembre, mon anniversaire. Voilà. Bonjour, Aude. Sylvette, c'était hier. Eh bien, écoute, je te souhaite un bon anniversaire. Un petit peu en retard, hein, mais voilà, bon anniversaire, c'est cool. Alors voilà, donc un mini-album, donc 3 étoiles. 3 à voler, 3 étoiles. Qu'est-ce que je raconte? Ça y est, je vous promets, j'ai pas bu, hein. Donc, il s'ouvre simplement avec une petite ficelle. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans cette collection-là, moi, j'ai craqué. C'est les petites breloques. Alors, je vais vous les montrer. Regardez-moi ça. Il y a des petits cœurs et vous allez voir que pour les chiens, on a une autre petite breloque qui est vraiment trop mimi. Voilà. Donc là, tout ce que je travaille, hein, c'est la même collection. Voilà. Toc. Alors, Factou vient de nous rejoindre. Hello, Pascal. Oui, moi j'utilise. Alors, quand il fait sombre, vraiment, mais pas sur le téléphone. J'en ai un à côté. Je te montrerai, Pascal. Voilà. T'inquiète pas, Evelyne. On s'excuse pas. On est tranquille. On est entre nous. Voilà. Donc, quand on l'ouvre, regardez. Ah ben, je l'ai mal présenté, en plus je l'ai mal refermé. Voilà, il s'ouvre comme ceci. 2 volets, 3 volets. Ici, vous pourrez mettre éventuellement y glisser hein, d'autres photos. Voilà. Et ici, on fait un petit insert tout petit où vous pouvez mettre eh bien, encore quelques photos. Voilà. Et Fripouille, forcément, est à l'honneur, mais avouez quand même que cette collection s'y prêtait parfaitement. Voilà. Donc, un mini tout riquiqui que vous pouvez sans souci glisser hein, dans un sac ou à offrir à quelqu'un. Je trouve que voilà, hein, des petits souvenirs quand on se rencontre, ça peut être la bonne petite chose. Voilà. Sandrine, 22 novembre, c'est les meilleurs, 22. Ah, elle est bien ta fille, elle est top. Coucou Corinne, voilà. Alors. Donc, vous voyez, une feuille à 4. Moi, après, j'ai repris une autre feuille à 4 pour le rouge et mes petites décos. Et puis, du blanc, voilà. Alors, comme vous le voyez aussi, ma feuille noire, ici, elle comporte des petits points. Alors, pour cela, puisque moi, je travaille sur du noir, donc c'était une couleur très foncée, et je trouvais que ça faisait trop noir. Donc, pour éclaircir, moi, j'aime bien travailler avec ça. Je travaille très souvent, alors, soit avec nos encres, quand j'ai du papier clair, juste pour mettre comme ça quelques petits points, quelques petites taches. Mais il y a quelque chose qui est mieux sur le noir, c'est ce que l'on appelle la peinture chatoyante. Alors, je vous la montre d'un petit peu plus près. Voilà. Et moi, j'ai travaillé notamment avec donc celle blanche pour qu'elle ressorte bien. Et ce qu'il y a de bien, alors, il faut la secouer parce qu'il y a des petites paillettes dedans. Et en fait, ce qu'il y a de bien, alors, ne pas renverser, bien entendu, en fait, c'est que voilà, soit on peut la travailler tout simplement avec un pinceau, soit comme moi, vous allez voir, pour mettre quelques petits éclats. Pensez-y lorsque vous faites des mini-albums où il y a très peu, enfin peu de décoration, j'ai envie de vous dire, vous avez envie de rester sobre. Les petites gouttes de peinture ou d'encre, ça peut être notamment la bonne solution pour mettre quelques petits points d'éclat. Voilà. Non, non, c'est bon, Véro, j'ai pas commencé. Voilà. Ah non, Agnès, alors pas Sagittaire, je suis Scorpion. Désolée, je suis née à l'heure où ça change. Le 22, ça change et je suis Scorpion. Voilà. C'est Mimi, ça te plaît, Josie? Ah ben, je suis contente. Voilà. Alors,
Aujourd'hui, du coup, je vais faire la version chien, puisque là, j'ai fait la version chat et je mettrai des photos du chien que j'avais avant, qui en plus, ça tombe bien, c'était un petit schnauzer. Et je crois que dans nos papiers, on a notamment ce qu'il faut. Alors, avec tous ces blablata, j'espère que vous avez pris ce qu'il fallait pour réaliser ensemble ce petit album. Je vais le mettre de côté. Hop, je vais vous le laisser quand même. Et on va travailler ensemble. Alors, donc moi, je vais refaire exactement le même, mais en version chien. D'accord, tout simplement. Alors, je vais vous montrer aussi, je vous ai préparé déjà, c'est les schémas de coupe et de plis. Et pareil, vous les retrouverez bien entendu aussi sur le blog, que je ne me trompe pas. Alors, c'est parti les filles. Toi aussi, Nazi Ange. Yes, tu vas voir. On est les meilleurs en novembre. Moi, je trouve que c'est le meilleur des mois. Et je suis objective. Alors, voilà le schéma de pli que je vous propose. Donc, vous voyez, c'est bien une feuille A4, 21 donc sur la hauteur et les 29,7 sur la longueur. Vous allez marquer des plis à 8 cm et à 8,5 cm. Coucou Sandra. Vous allez ensuite marquer un autre pli à 16,5 et à 17. Voilà. Et le dernier est donc à 25 cm. Alors, je vous laisse l'affichage marqué le temps qu'on le fasse. Donc, hop, 8 cm, 8,5, 16,5 et 17. Donc, juste des plis. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose, je pense, que pour appréhender ce qu'est le scrap, un mini comme ça, où on n'a pas forcément de coupe à faire. Mais vous allez voir qu'on peut tout à fait réaliser des petites choses très sympathiques quand on débute, tout simplement en, avec simplement quelques petites feuilles de papier et juste avec quelques plis. Voilà. Alors, j'espère donc 8, 8,5, 16,5 et 17. J'espère que c'est OK pour vous. Voilà. Ta fille est du 4. Ah, bah, tu vois, Karine, j'étais sûre. Tu vois, voilà. Allez. Ouais, les scorpions, c'est les meilleurs. Je suis d'accord avec toi, Nazi-Ange. Alors, voilà. Donc, on se retrouve avec ça. Ne marquez pas tout de suite les plis. Si vous voulez faire comme moi les petits points, c'est le moment ou jamais. On va les faire maintenant. Comme ça, ça aura le temps de sécher. Et ensuite, on pourra sans souci, eh bien, après préparer le reste de l'album. Alors, cette petite peinture que je vous ai montrée tout à l'heure, mais faites-le si vous travaillez sur du clair avec des encres liquides, ça fonctionne très bien aussi. Donc moi, je travaille avec un petit pinceau, bon, à réservoir d'eau, mais je n'utilise pas l'eau, d'accord? Je trempe tout simplement ma pointe du pinceau dedans. Et après, hop, je viens tout simplement tapoter complètement au hasard. Je ne sais pas si ça se voit à l'écran. Si, ça se voit. Super. Ma peinture. Alors, je fais d'abord un côté. On va laisser sécher 2-3 minutes et je ferai après l'autre côté, on va laisser sécher. Ça sèche très vite parce qu'en fait, ce sont des petites gouttes très, très fines. Voilà. Et en plus, ça paillette un petit peu. Donc, moi, j'aime bien faire ça sur des fonds. C'est quelque chose que vous pouvez faire même avec les enfants. Hein. Ça, ce genre de petites choses, à mon avis, c'est largement faisable. Voilà. Oui, 25, Pascal, c'est ça. Le dernier pli, c'est 25. Voilà. Mais oui, tous les signes sont sympas, il n'y a pas de souci. Je suis d'accord, Nadine. Voilà. Donc, vous laissez sécher un petit peu. Voilà. Mais normalement, si ça fait des gouttes... Alors, moi, j'aime bien tapoter comme ça parce que ça fait des petites gouttes très fines. Et du coup, voilà, ça laisse un joli effet. Hop. Je vais reposer mon papier et je vais faire la même chose de l'autre côté. Comme ça, ce sera fait. Si ce n'est pas sec chez vous, vous attendez et puis vous le ferez par la suite. Le principal, c'est que ce soit sec au moment où on coupe et on va coller nos papiers. Voilà, donc ça, vous voyez, avec les enfants, je pense que c'est entièrement jouable et faisable.
Et en plus, ils vont s'éclater. Hein. Moi, je sais qu'en atelier enfant, ça, je leur fais faire, ils s'éclatent avec ça. Voilà. Donc, chez nous, chez Stampin'Up, donc soit avec les encres liquides, soit voilà, avec la peinture chatoyante, c'est vraiment top parce que dedans, il y a un petit effet pailleté, moi, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Voilà. Oh, Agnès, elle est à Tahiti, mais dis donc, c'est top ça. Oui, Nadine, tu verras, regarde, c'est vraiment, ça coûte 3 fois rien et c'est, en plus, il y en a une quantité, mais phénoménale. Voilà. Ça donne vraiment super bien. Oui. Sur les papiers sombres, voilà, moi, tu vois, Agnès, j'aime bien parce que des fois, je trouve que le noir, parfois, ça peut être un peu agressif à l'œil, en fait, si on ne tranche pas avec des couleurs qui sont lumineuses. Et voilà, rajouter quelques petites gouttes toutes simples. Et pourtant, moi, vous avez vu, je n'aime pas les taches. Je suis vraiment quelqu'un qui n'aime pas vraiment ça. Eh bien, ça permet, voilà, de donner des petits effets. Voilà. Laurence, oui, voilà, comme un, voilà, des petites étoiles. Exactement ça, on dirait la galaxie, tout à fait. Je suis d'accord avec vous sur du noir, vous voyez? Du coup, voilà, je suis sûre que vous allez voir vos papiers noirs de manière différente maintenant. Alors, tant qu'on est dans les pliages et les coupes, je vais vous donner tout de suite le pli. Alors, je vais vous montrer maintenant pour faire là celui-ci. D'accord, à l'intérieur, comme ça on aura tout coupé et tout plié. Après, on n'aura plus qu'à faire nos petites décorations et je vous donnerai les autres astuces. Alors, donc moi, ce sera dans un papier rouge que je vais le faire. Il fait toujours donc 21 de haut, mon papier, et il fait 15 et demi de large cette fois-ci. Donc 21 par 15 et demi. Voilà. Oui, avec de la peinture, ça marche très bien aussi. Voilà. La peinture, c'est nickel. C'est parfait. Faites avec ce que vous avez. Hein. Franchement, on ne s'embête pas. Hein. Ouh là là. Et on va couper. Alors, on va pas couper, pardon. On va plier à 7 et demi et 8. Tout simplement. Donc, on marque un pli à 7 et demi et un second pli à 8. Voilà. 7 et demi et 8. Et là, c'est bon pour tout le monde, j'espère que ça va. Et je vous ai mis aussi pour la décoration. Donc pendant qu'on y est, je vais vous laisser ça. Pendant qu'on y est, donc on va découper deux papiers imprimés de 7 par 21. Et alors, ce que j'appelle le papier de mat, c'est un papier blanc pour moi qui va venir sur lesquels seront posées les photos, d'accord? Seront collées les photos. Donc, il fait 7 par 21. Si vous voulez travailler qu'avec du papier imprimé, allez-y, faites-vous plaisir. Vous découpez 3 morceaux de papier imprimé de 7 par 21. Alors, hop! Moi, je vais rester sur le blanc. Alors, en même temps, je regarde vos questions. Moi, voilà. 32 ans. Et oui, je. Ah oui, 32 ans. Oh là là. 2 ans, c'est top, ça. C'est bien. Alors, hop. Donc, on a dit 7 par 21. Donc, vous voyez, pour les débutants, c'est tout simple parce qu'en fait, on garde vraiment la hauteur. Voilà. Hop. Et un papier imprimé. Donc moi, je vais continuer à travailler avec le papier imprimé des petits chiens et tout ça que j'ai vraiment trouvé très très sympa. Ah bah tiens, j'ai celui-là qui me plaît bien. Et qu'est-ce que je vais mettre d'autre de l'autre côté? Oh bah tiens, celui-là avec les petits poissons et les petits cœurs, je le trouve assez sympa. Donc 7 par 21. Hop. Voilà. Donc 2 morceaux de papier imprimé et un morceau de blanc ou alors 3 morceaux de papier imprimé si vous le souhaitez. Hop. Oups. Ça fait du bruit. En voilà un et le second. Hop. Alors je regarde en même temps vos commentaires. Il est beau hein, ce papier. J'aime beaucoup. Hein. Franchement, c'est top. Voilà. J'aime bien avec le rouge et tout, je trouve qu'il tranche pas mal. Il y a du gris souris aussi
Voilà, on a du noir dedans, etc. Et je trouve qu'en fait, il est vraiment sympathique. Hop. Voilà. Donc, on va pouvoir coller sur le devant, à l'intérieur. Et vous voyez, moi, le blanc, voilà, que je vous disais, moi, je l'ai fait ici, tout autour de mes photos, en fait. Mais vous pouvez mettre du papier imprimé, il apparaîtra sans problème au milieu. Alors, je me rends compte que je vous ai fait 7 par 21. En fait, c'est 7 par 20 et demi. Donc, enlevez 1 demi centimètre. Alors, soit vous faites comme moi. Moi, j'aime bien, vous le savez, pour celles qui me connaissent, laisser un liseré tout autour. Je trouve que c'est plus joli. On a des papiers de couleur, autant les voir. Celles qui préfèrent et qui veulent le mettre sur toute la hauteur et laisser juste un liseré de part et d'autre, juste là, à droite et à gauche, vous gardez votre hauteur de 21. Moi, je vais raccourcir parce que j'aime bien le faire à 20,5 pour laisser un petit liseré partout. Je suis désolée, je corrigerai aussi sur mon schéma de coupe. Voilà. Donc, hop. Voilà, mes deux papiers là sont réduits et je vais faire la même chose avec le blanc. Je suis désolée. Je suis allée trop vite tout à l'heure en faisant mon petit montage, vous voyez. Voilà. Bonjour Caroline qui vient d'arriver. Alors, on va en coller un. Donc, bien entendu, vous pourrez mettre des photos un petit peu partout. Vous voyez, regardez. Hop, ça va être super sympa. Je pense que je vais mettre ça, tiens, là. Et la petite gamelle sur le devant. À ce stade-ci, on peut coller sans aucun souci. Voilà. Hop. Alors, en même temps, je regarde vos petits commentaires. J'ai l'impression que vous ne me parlez plus trop. C'est que vous êtes en train de travailler. Voilà. Et puis, si ça vous plaît, surtout ce petit rendez-vous comme ça, le dimanche soir. Alors, je ne le ferai pas toutes les semaines, hein, mais je pense une fois par mois, ce serait pas mal. Si ça vous dit et si ça vous plaît, et puis surtout si vous n'avez pas Facebook, ça vous permet quand même, voilà, de et bien d'être ensemble et puis qu'on travaille ensemble tout simplement. Cool, j'ai droit de me tromper. Super, c'est top. Oh, c'est pas une grosse erreur, mais après ça dépend des goûts de chacun. Moi, je sais que j'aime bien laisser un petit liseré. Je pars du principe que comme on a des papiers colorés, autant les voir. Après, voilà, je sais qu'il y en a qui aiment bien tout recouvrir. Donc, voilà. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça rend plutôt bien. Regardez, donc la version ici que j'avais fait petit chat. Hop! Et donc, la version chien. Donc, la version chat, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des petites pelotes et tout ça. Des petites plumes, des petits poissons, là. Et la version chien, donc avec les petites pattes, les petits nonos. Voilà, super sympa. C'est top, hein? C'est vraiment sympa, hein? Alors, ce set de tampons, pendant qu'on y est, tiens, on va finir avec cette partie-ci. Alors, moi, je me suis déjà un peu avancée, ne sachant pas si vous alliez utiliser les mêmes produits ou non que moi. Donc, vous pourrez faire vos décorations tranquillement à la maison. Hop, moi, voilà donc le fameux set de tampons. Alors, il est magnifique ce set. Par contre, effectivement, je vous confirme, il n'est pas traduit en français. Donc, celle qui parle anglais, voilà. Celle qui ne parle pas anglais, j'avoue que c'est un petit peu plus compliqué. Mais néanmoins, je trouve que déjà, ce ne serait-ce que pour les petits personnages, moi, de toute manière, même si je ne parlais pas anglais, je l'aurais pris sans aucun doute parce que je le trouve trop mignon. Et puis, les textes, à la limite, on fait un petit peu ce qu'on veut. Alors, aujourd'hui, je voulais aussi vous montrer comment travailler de manière un petit peu différente avec vos perforatrices. Donc, je vais travailler donc avec un des textes du set de tampons. Oh, génial, Esther. Hi, Esther, how are you? Oh, I'm very, very happy to see you here.
Ah, excellent, top! J'ai ma copine Esther donc, qui fait avec moi un des blog-ups international, le Global Stampin' Video Hop. On le fait ensemble et j'avoue que c'est vraiment génial de le retrouver, de la retrouver ici avec nous ce soir. Je trouve ça top. Voilà. Donc, allez voir aussi le blog de Esther. Elle fait vraiment des choses magnifiques. Allez vous inscrire aussi sur sa chaîne. Vous verrez, franchement, elle fait des magnifiques projets. Alors, certes, elle parle anglais, mais vous verrez qu'avec les vidéos, en fait, la magie de la vidéo, c'est que simplement en nous voyant travailler, je pense, vous pouvez sans aucun souci refaire en fait exactement la même chose que ce que l'on fait nous. Voilà, donc allez voir effectivement le blog d'Esther. Je suis vraiment très très contente de la trouver là. Voilà. Oui, Sophie, voilà, un album avec ton loulou, tu vas voir, je pense que vous pouvez le faire. Voilà. Alors, je voulais vous faire travailler, vous montrer aussi une autre perforatrice. Vous allez voir, on va l'utiliser de différentes façons aujourd'hui. Moi, je l'aime beaucoup. Elle fait comme ceci un espèce de losange coupé sur les côtés. Et regardez. Moi, ce que j'aime bien faire avec celle-ci, alors déjà, elle est suffisamment grande pour les textes qui sont quand même assez gros. Alors là, je ne suis pas en face. Voilà. Ouais, ça me semble à peu près bien. Donc, vous voyez un petit peu le motif qu'elle fait. Moi, j'adore. Franchement, je trouve le motif très, très sympa. Et il y a quelque chose, moi, que j'aime énormément faire avec cette perforatrice. C'est redécouper un autre morceau. Prendre ma paire de ciseaux et vous allez voir tout simplement que ce qu'on va faire, on va la couper en deux. D'accord? Voilà. Et pour mettre en valeur vos étiquettes, moi c'est quelque chose que je vous conseille. Vous allez voir, c'est très simple à faire, mais vous allez voir que tout de suite votre étiquette va ressortir. Alors regardez. Si par exemple je pose mon étiquette comme ceci, avec les motifs, on la voit moyen, d'accord? Si maintenant mon étiquette, je lui mets un contour autour, regardez déjà comment on la voit beaucoup mieux. Donc n'hésitez pas, alors ça marche avec n'importe quelle étiquette, hein. Là je vous la fais travailler avec celle-ci parce que mon texte rentrait dedans et c'était top, mais voilà, faites-le franchement avec n'importe quelle étiquette, vous allez voir, ça va mettre tout de suite en valeur vos étiquettes. Hop! Donc, moi, ce que je fais, voilà, en général, donc comme vous le savez, j'aime bien les petits liserés. Donc, je m'arrange, regardez, pour laisser un petit liseré tout autour de mon étiquette. Et je vais faire la même chose aussi en bas. Voilà. Alors, je recommence. Peux-tu me donner les plis du rouge? Alors, c'est 7,5 et 8. Ah, bah, Evelyne avait répondu. Super! Voilà, oui, Nazian, je vais voir sur le blog de Esther, tu vas voir, elle fait des trucs vraiment top. Allez-y, franchement, c'est. Voilà, moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà, on a plein, plein d'idées ensemble et franchement, c'est top. Alors, regardez tout de suite votre étiquette, comment elle va ressortir comparée à tout à l'heure. Et en même temps, vous rappelez le rouge. Voilà. Donc, vraiment quelque chose de très, très simple. Mais n'hésitez pas à le faire avec vos étiquettes, avec les enfants aussi, ça ils aiment bien découper et tout. C'est vraiment le genre de choses, je pense, que vous pouvez faire sans souci avec les enfants. Et regardez tout de suite, ça la met en évidence en fait. Alors que sur mon papier qui était déjà quand même un petit peu chargé, on ne la voyait pas vraiment. Voilà. Donc ça, faites-le assez fréquemment. Vous allez voir que c'est vraiment quelque chose de très simple à faire et ça marche pratiquement avec toutes nos étiquettes. En tous les cas, celles comme ça qui ont des symétries, c'est top. C'est vraiment les choses à faire. Voilà. Oui, Nazi Ange, yes, voilà, parfait. Oui, les sautillements en anglais, je sais, Josie. Voilà, bon. Après, je te dis, tu peux mettre peut-être des sentiments en français et juste garder pour les petits les motifs. Franchement, moi, j'ai craqué d'abord et avant tout, je dois te dire, par rapport aux petits motifs que j'ai vraiment trouvé vraiment top. Voilà. Les textes, pour moi, étaient secondaires. Voilà. Mais effectivement, oui, je sais que ça peut bloquer. Voilà.
Donc, une fois qu'on a fait ça, je voulais aussi vous montrer, donc bien entendu avec ce set de tampons, il y a aussi eh bien, les dailles assorties qui permettent de découper donc, tout ce qu'il nous faut. Et moi, j'ai travaillé avec une autre matrice de dailles que je voulais vous présenter aujourd'hui, qui est celle-ci, qui est celle avec donc, les triangles. Alors, triangle effet couture. Je vais me rapprocher un petit peu pour que vous le voyez. Mais des triangles avec un joli effet couture tout autour, comme ceci. Et ce que j'aime particulièrement aussi avec celui-ci, c'est la petite banderole qui est ici. Parce que cette banderole, vous pouvez la placer partout. Alors, je me suis un petit peu avancée. Parce qu'après, chacune fera sa décoration, bien entendu, comme elle le souhaite. Mais regardez-moi un petit peu cette banderole. Alors, sur l'autre motif, ça ne se rend pas vraiment très bien. Mais regardez sur celle-ci. Tout de suite, ça ressort et ça habille. Moi, je la trouve vraiment très, très sympa. Donc, je vais juste vous la coller pour vous la montrer. Et puis, bien entendu, je vous montrerai à la fin aussi, une fois que j'aurai mis les photos de mon chien qu'il faut que je retrouve. Quand j'étais petite, mon petit schnauzer. Voilà, regardez un petit peu cette petite banderole. Alors, je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Vous voyez un petit peu, elle est vraiment top, hein. Voilà, on la place un petit peu où on veut cette petite banderole. Moi, je l'adore. Et comme vous aviez pu le remarquer sur l'album, j'ai travaillé donc aussi avec tous les petits triangles. Ici, une déco vite fait, bien fait, simplement avec des petits triangles, là, là, et ici, sur la première de couverture. Voilà. Et je vais vous montrer aussi comment j'ai réalisé cette petite étiquette. Alors, maintenant qu'on a fait ça, notre fond, normalement, a dû sécher aussi. Donc là, maintenant, vous allez pouvoir marquer les plis. Voilà. Tu l'as? Ah oui, en coup de cœur, ouais. Franchement, moi, je l'ai adoré, hein. Coucou Rolande, ça va? Hop, alors je vais juste prendre mon petit plioir et on va pouvoir plier. Donc hop, nos petits, ce qu'il y a de bien, c'est que ça se plie tout seul. Notre papier est tellement bien qu'avec simplement notre petit massicot, regardez-moi ça, ça se plie tout seul. Donc voilà comment va se présenter notre album. Donc, vous voyez tout de suite là, avec la petite constellation étoile. C'est sympa, hein, tout de suite. Voilà. Oui, tu as vu l'astuce. Alors, je vais vous en montrer une autre avec cette perforatrice-là. Vous allez voir. Hop. Donc là, celui-ci, je vous laisserai finir hein, tranquillement vos décorations là, chacune. Par contre, je compte sur vous, le deal, pour que je continue à faire ces petits lives créatifs avec vous, c'est bien entendu qu'après, vous me montriez vos résultats, hein, vos décorations, votre album. Donc, celui-ci, il va là, d'accord? Il est légèrement plus petit, c'est normal, par rapport au pli, d'accord? Et il va donc ici. Donc, celui-ci, vous pouvez le coller sans aucun souci. Voilà. Et après, je vous montre l'astuce pour faire un autre type d'étiquette avec cette perfo. Et je suis sûre que celui-là aussi, vous allez l'adorer. Donc, on vise bien au milieu. Voilà. Hop. Comme ceci. Et voilà. Donc là, ici, je mettrai une photo là, une photo en bas, comme j'ai pu le faire ici, donc avec Fripouillot. Que vous connaissez maintenant, voilà, mon petit pépère, bientôt 13 ans, mon petit cœur, voilà, hop. Alors, tout à l'heure aussi, je vous ai dit je vous ai montré les dailles et les papiers. Alors, moi, les papiers chiens, ils sont aussi beaux que les chats, en fait. Je vais vous montrer tout ça. Regardez un petit peu ce que l'on peut trouver. Voilà, donc dans les petits chiens. Donc là, on retrouve Sadi, ici. Alors, il y a les chiens version Rikiki. Et il y a les chiens version
un petit peu plus gros. Voilà, donc je pense que tout le monde peut y retrouver un petit peu son bonheur dans ses petits chiens. Voilà, moi je les trouve vraiment top. Alors ici, Sadie, qui est là, eh bien, on peut la découper notamment avec les dailles, notamment. Regardez. Voilà, donc, hop, ça se découpe. Tout comme pour moi avec les chats. Je vais vous montrer. Hop, ici, sur la version chat, celui-ci se découpe aussi directement dans le papier. Voilà, donc pas besoin de découper à la main. Après, on peut s'amuser. Hein. Celui-ci, je l'ai découpé à la main, par exemple. Voilà, donc là, ici, petite Sadie, je pense que je vais la coller là. C'était ça aussi que je voulais vous montrer. C'est que moi, j'aime bien justement, c'est qu'on ait aussi certains motifs de papier qu'on peut tout à fait découper. Donc ça, je trouve ça vraiment top. Regardez comme elle est mignonne. Elle est trop mignonne, hein? Voilà. Hop. Oui, 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 ma belle. Oui, oui, Karine. Pas de souci. Tu peux le refaire en replay. Tout reste sur YouTube, hein? Voilà. Ah, t'as vu, t'étais sceptique, mais non. Hein? Je vais vous faire les aimer, moi, ces papiers. C'est vrai qu'au départ, on peut se dire elle est un petit peu enfantine, etc. Mais franchement, je vous promets qu'on peut faire de très jolies choses avec cette collection. Elle est vraiment top. Voilà. Alors, ce que je voulais... Ah bah tiens, je vais vous montrer ici. Donc moi, ici, j'ai fait une petite pochette. Regardez. Ici, c'est donc une petite pochette où vous pourrez encore éventuellement glisser d'autres photos. Moi, j'ai juste décidé d'y faire de la décoration. D'accord ? Voilà. Parce que je voulais vraiment mettre en évidence ces petits papiers. Et pour cela, eh bien, j'ai tout simplement découpé ici, toujours avec mes petits dailles. Hop ! Ici les triangles, ceci exactement, eh bien j'ai découpé et je les ai tout simplement collés, hop, dans, hop, alors on va prendre peut-être celui-ci, je vais vous montrer ça. Donc ici vous ne collez qu'en haut et en bas, d'accord. Ah si, j'ai pris mon scotch, ouf, heureusement, je me demandais si je l'avais pris. Voilà. C'est joli, hein? Franchement, moi, je la top. Hein? Did you design this yourself? Yes. Yes, yes. Yes, Esther. For beginners. Oui, bah, j'espère qu'elle va être contente. Faudrait que Sarah passe sur la chaîne pour voir qu'effectivement, la petite Sadie est mise en avant aujourd'hui. Mais je crois qu'elle va bien y être parce que Sarah aussi, je crois, avait publié les photos en fait que je vous ai montrées. C'est celles que Sarah a publiées. Hein. Et donc, du coup, il vous suffit tout simplement après de prendre hop, des petits triangles, de les mettre en différentes hauteurs, comme ceci. Alors, j'en ai découpé hein, quelques-uns en avance. Hop, 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 comme ceci. Et vous voilà, alors celui-ci, je pense même que je vais le mettre par-dessus. Et ça vous fait une petite décoration très très sympa, très rapide à faire en fait. Et vous voyez, du coup, comme ça, on garde quand même l'effet étoile galaxie que l'on avait tout à l'heure réalisé à l'aide de la peinture. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le petit truc. Vous voyez, pas besoin en fait de compliquer, de charger. Enfin, bon, moi, j'aime pas trop charger en scrap. J'avoue que je suis plutôt quelqu'un qui est plutôt très clean, voilà. Des solutions simples, mais voilà. Non, en plus, effectivement, Nazi Ange, la collection n'est pas très chère. L'ensemble n'est vraiment pas très cher, donc voilà. Donc, la petite pochette ici, Nadine, tu mets juste du scotch double face ou de la colle, hein, juste là et ici. Voilà. Alors, je n'ai pas rajouté de papier. Non, non, non. En fait, c'est la... Mince, je l'ai collé. En fait, mon papier A4, ici, on a refait une pliure à 25 et c'est juste celle-ci que tu rabats et tu la colles en haut et en bas. C'est tout. Voilà. Donc là, on va le faire vraiment vite fait. Hein. Je finirai la déco après, mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu mon processus de scrap quand j'ai créé
ce mini-album. Je l'ai trouvé, voilà, je me suis dit, je voulais quelque chose de simple, comme je ne savais pas qui sera avec nous. Mais au final, vous êtes toutes des... Voilà, c'est ça, c'est le dernier rabat que l'on plie, Nadine. Voilà. Donc, j'espère que ce n'est pas trop simple quand même pour vous, mais bon, je suis désolée. Mais s'il y a des débutantes qui passent, voilà, elles auront un petit album débutante. Donc, vous faites à peu près la même chose après, hein, vous vous amusez. Vous voyez, regardez-moi ici, j'ai remis encore une petite banderole. Amusez-vous avec ça. Ici, hop, sur le rabat ici, donc moi, j'ai découpé juste deux petits carrés avec le petit chat, ici. Donc là, je vais refaire pareil, je vais reprendre un des autres chiens. Alors, en fait, j'ai un peu triché parce que, regardez, j'ai déjà en fait découpé des petits chiens sur mon papier. Et je me suis amusée tout à l'heure, ah voilà, c'était celui-ci, regardez, à découper celui-ci sur le papier imprimé. Alors, il va très vite à découper, mais franchement, je l'adore, je le trouve trop mignon. Donc celui-ci, je pense que je vais le mettre là. Et puis, sur le haut, je ferai quelques petites décos encore avec mes triangles, tout simplement. Mais celui-ci, regardez comme il est beau. Il a un petit foulard et tout. Je le trouve trop mignon, moi. Voilà. Hop. Il est trop beau, hein, celui-ci aussi, regardez. Hop, issu donc du papier. Donc là, tout simplement, avec une paire de ciseaux, vous découpez. Il est assez simple à faire. Regardez, j'en ai découpé un autre que je vous ai montré tout à l'heure, bah, qui est là. Vous voyez, il est très simple. Vraiment, en le découpant, on peut y arriver sans aucun problème. Voilà. Alors, clean and simple. Voilà, c'est ça, moi. Pascal, c'est ça. Travailles-tu d'autres collections que Stampin' Up? Alors, de temps en temps, mais très, très rarement, Laurence. Je t'avoue que je ne travaille pratiquement qu'exclusivement qu'avec Stampin' Up. Voilà. Hop. T'inquiète pas, Lucille, tu reprendras après. Puis celui-là, tu pourras le faire avec les filles pour le coup. Hein. Voilà. Hop. Oui, la tricheuse. Oui, je sais, Nazi-Ange. Mais tu vois, regarde. Hey, je me suis un petit peu avancée. J'ai tout. J'ai pas mal découpé de choses, en fait. Voilà. Mais je ne vais pas vous embêter trop avec ça. Je vous montrerai le résultat final après. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi ici, donc les petites décos, hein, vous l'aurez compris. Hop, donc moi, je vais remettre quelques petits triangles comme ceci. Regardez avec les papattes. C'est trop mimi. Oups, les petites papattes, elles sont top. Il y a aussi du petit texte. Alors, ce que j'aime bien avec le petit texte, c'est qu'ici, c'est la version miaou chat. Et là, c'est la version waf waf du chien. Donc, du coup, je trouve ça assez sympa qu'il nous ait fait et à la fois le texte pour les chats et le texte pour les chiens. Moi, j'adore. Et ici, hop, je pense que je remettrai peut-être ici. Alors, moi, j'aime bien, voyez-vous, n'hésitez pas à couper hein, quand vous avez des triangles, des choses comme ça, les mettre à moitié. Ça continue à faire une suite sur le devant de votre page. C'est super top et c'est sympa. Voilà. Oui, ces nouvelles découpes sont vraiment top et tu peux les placer n'importe comment. Vous allez voir à la fin, restez avec moi jusqu'au bout puisque je vous présente le projet qu'on fera jeudi et vous allez voir, je vais vous faire travailler avec des triangles. Pas forcément ceux-ci, on pourra travailler aussi avec des carrés, mais je vais vous montrer le projet aussi de jeudi. Donc ça, vous pourrez les coller, mais effectivement, c'est très sympa. Vous pouvez faire aussi la même chose avec des cercles, donc des demi-cercles ou des cercles complets. N'hésitez pas, ça rend vraiment très très bien, c'est vraiment quelque chose qui est au top. Alors, ce que je voulais vous montrer, tiens, hop, celui-ci, on va le coller là pour le coup. Ce que je voulais vous montrer aussi avec la perfo que j'ai utilisée tout à l'heure, c'est ici le petit losange que j'ai créé. Hop, alors je vais juste coller ça ici. Regardez comme il est beau, mon gros chouchou là, il est trop top. Ce que je voulais vous montrer déjà, c'était aussi, regardez, la petite découpe avec les papattes de chien. Elle est trop jolie, celle-là. Alors, celle-ci, je pense que pour le coup, je vais la découper et ça va me faire une petite déco supplémentaire. Hop. Je vais vite fait la découper, comme ça, je vais vous montrer les petites choses que l'on peut faire. Hop.
très droit mon histoire, mais je suis pas à plat, c'est pas grave. On va rattraper. Ouais, elles sont vraiment jolies. Regardez un petit peu ces petits détails de petites papates. Moi, je trouve ça top. Alors, ce que l'on va faire, toc, je vais juste redécouper là un petit peu plus. Comme ça et comme ça là. Voilà. Et voilà. Alors, ce que l'on peut faire, ça va être ici de mettre, par exemple, regardez les petites papates, comment elles ressortent vraiment sur le noir. Je trouve qu'on les voit vraiment très, très bien. Donc ça, c'est vraiment top. C'est des petites choses que vous pouvez mettre un petit peu partout. Hein. Imaginez, vous pouvez même trouer un petit peu votre album et mettre, par exemple, des papates ici en bas de page. Je trouve que c'est vraiment très, très sympa. Alors, pour le petit texte ici, on va reprendre, si je retrouve mon papier blanc et ce que j'ai fichu de mon papier blanc. Il est là. Hop! On va prendre un petit texte. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien, je crois que je vais reprendre le Enjoy qui est ici. Oui, exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi, Nazi-Ange. Voilà, ça donne un petit peu plus. Moi, j'aime beaucoup les formes géométriques. Enfin, voilà, ça va dans mon esprit aussi, clean and simple. Et du coup, eh bien, effectivement, ça permet voilà, de rester dans des formes assez géométriques. J'aime bien les ronds, j'aime bien les triangles, enfin, les formes très, très simples, en fait. J'aime pas trop, moi, les choses tarabiscotées. J'avoue que moi, les volutes, les choses comme ça, j'ai un peu plus de mal. Alors, mon petit texte, on est en noir. Je vais le faire en rouge, du coup, pour qu'il ressorte un petit peu. Hop, comme ceci. Donc là, j'ai pris le rouge-rouge, hein, qui est donc la couleur que l'on retrouve sur notre papier. Je vais tout simplement, jusque-là, rien de bien compliqué, le tamponner. Je vais refermer tout de suite mon encreur avant qu'il y ait une catastrophe. Voilà. Et je vais reprendre ici ma fameuse perforatrice. Et c'est avec celle-ci que l'on va faire la mini étiquette. D'accord ? Donc avec cette perfo, on va faire cette mini étiquette. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, vous voyez déjà, je me suis passée bas sur le papier puisque je ne vais pas tout perforer. Donc je positionne bien hop, mon Enjoy en haut au niveau de la pointe comme ceci. Donc là j'ai un morceau on va dire d'étiquette et ensuite hop. Vous allez prendre tout simplement des petits post-it. D'accord ? Donc des post-it, tout ce qu'il y a de plus simple. On met la bande autocollante juste ici pour pouvoir glisser notre papier dans notre perforatrice. Et vous allez repositionner ici tout simplement. Hop. Alors, je vais même le positionner sur le côté. Je verrai mieux ce que je fais. Voilà. Donc, hop. Et vous repositionnez ici. J'espère que l'on voit ce que je fais. Hop. Et regardez. Vous avez pour le coup véritablement, hop, un petit losange. Donc vous voyez, avec cette perforatrice là, en fait vous avez plein de possibilités, d'accord, pour travailler notamment avec cette perforatrice. Voilà. Oui oui Nancy, tu regarderas, t'inquiète pas, en replay il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Oui oui, pour un onglet aussi par exemple. Je suis tout à fait d'accord avec toi Pascal.
Et en fait, vous voyez, on peut se retrouver comme ça avec des petits losanges. Alors, bien entendu, vous pouvez, en fonction de la taille du texte, moi là, j'ai pris un tout petit texte, mais imaginez un texte un peu plus grand, et bien, vous pouvez faire votre losange, en fait, beaucoup plus grand. Et moi, je trouve ça top, en fait. Essayez toujours d'imaginer ce que vous pouvez faire avec vos perforatrices. Voilà. Et donc, du coup, on se retrouve ici avec notre petit texte. Donc, moi, je verrai en fonction de la décoration que je ferai. Mais regardez. Bye bye, Esther. Au revoir. See you soon. Et donc, voilà. Vous voyez? Donc, on se retrouve, voilà, avec un petit losange, en fait, de manière très, très simple. Vraiment quelque chose de, voilà, facile à faire. Donc, essayez de regarder toujours vos perforatrices, surtout quand elles ont des formes géométriques comme ça. Essayez de regarder un petit peu ce que vous pouvez faire. Voilà, ça, c'est vraiment des choses assez simples. Il faut toujours aller plus loin. Voilà. Oui, tu as vu une petite astuce, voilà, c'était vraiment ce que je voulais vous montrer, que vous pouviez, en fait, cette perforatrice est vraiment très, très versatile, voilà. Tu as vu, voilà, Nancy, voilà. Oui, oui, tu les prendras, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Hein. Mais tu vas voir, les triangles, ils sont vraiment très, très sympas. Oui, oui, Jacqueline, tu regarderas en replay, pas de problème. Donc, voilà, ce que je voulais vous montrer aussi, c'était les petites breloques. Je vous en ai parlé au début, j'espère que je les ai descendues, oui. Alors, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous avais montré la version petit chat. Bon, remarquez, elle peut aller aussi à un petit chien. Hein. C'était donc la petite breloque petit cœur. Voilà. Eh bien, regardez, pour les petits chiens, ils ont fait les petits nonos. C'est top, hein? Franchement, moi, j'adore. Voilà. Donc... Alors, ce que je voulais aussi vous montrer avec les triangles, mais ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas ces dailles-là, je vais vous montrer le projet que l'on fera jeudi, cette fois-ci en live sur YouTube et en replay, bien entendu, sur mon blog. Je vais vous le montrer en avant-première. Nous allons faire une carte façon kilt, en fait. Alors voilà, la fameuse carte que je vous propose de réaliser avec moi jeudi. Pas de panique, si vous n'avez pas les dailles triangle, vous pourrez le faire quand même parce que je vais vous donner des astuces simplement pour le faire à l'aide du massicot et sans prise de tête, vous allez voir. Donc voilà, encore ici des petites choses avec les petits triangles, vous allez voir. Donc ça, c'est le projet que l'on fera jeudi en live. Je vais vous expliquer comment on fera. Voilà, alors j'espère que ça vous plaît. Hop, je le recache. Vous êtes les premières à le voir puisque je ne l'ai pas encore publié sur le blog en plus. Donc, voilà. Alors, j'espère que ce petit projet vous aura plu. J'espère sincèrement que ce petit live vous aura plu. J'espère aussi que si ça vous a plu, on en refera. D'accord ? Je vais essayer d'en faire un par mois si ça vous plaît. Dites-moi surtout si c'est... Si, voilà. Cool, ça a l'air de vous plaire. Voilà. Alors, Nancy, oui, je sais que le prix, mais par contre, compte le nombre de dailles que tu as dedans, les triangles. Franchement, alors, attends, je dois avoir le papier, je ne sais plus combien il y a de dailles dedans. J'avoue que le prix, sur le coup, voilà, il y a 19, il y en a 19 dedans. Ça, je pense que sincèrement, enfin pour moi, tu vois, autant investir dans les découpes chien-chat, j'ai envie de te dire, vu les motifs que l'on a, on peut sans problème les découper à la main. La preuve, je l'ai fait, que ce soit pour les chiens ou pour les chats, tu vois. Autant des formes comme des triangles, des carrés, des cercles, c'est des choses dont tu vas te servir et resservir. Voilà, donc à voir. Bon, ben, j'espère que ça vous plaît. Cool. Écoutez, franchement, je suis géniale. Voilà. Oui, oh, bon, tu sais, on ne va pas garder le secret bien longtemps, Nazi Ange, mais bon, j'espère quand même que ça vous a plu, ce petit live.
Si c'est le cas, eh bien, je vous dis, je pense que j'en ferai à peu près un par mois comme ça. On se retrouvera là, on papotera ensemble, on scrapera des petits projets ensemble. J'espère que ce n'était pas trop simple surtout. Je ne savais pas trop qui allait être là ou pas. Mais je vois que vous êtes beaucoup à m'avoir suivi. Donc ça, c'est vraiment top. Je suis vraiment super contente pour ce premier épisode de Scrap et Papotage. Voilà. Et donc, bien, du coup, si ça vous plaît, on remet ça le mois prochain ensemble. Je vous referai un petit projet. Je vous mettrai aussi la liste des courses, bien entendu. Vous allez tout retrouver sur le blog. Les schémas de coupe aussi seront sur le blog. Les produits que j'ai utilisés. Voilà, donc vous avez tout à disposition. Alors, j'espère que ça vous plaît. Merci Karine, c'est sympa. Angie, oui, voilà, un petit cadeau rapide. C'était vraiment l'esprit que je voulais donner à ce petit projet. Mais écoutez, je suis contente. Sandrine aussi. Ah, cool. Ah bah franchement, Fatou, merci. Ah bah top. Super. Ah bah écoutez, franchement, je suis enchantée que ça vous ait plu autant que ça. Alors, Nadine, tu veux quoi? L'intérieur de celui-ci? Voilà, bah celui-là, vous l'avez, hein, du coup, hein, sur le blog, pareil, je vous ai mis toutes les photos et tout, donc vous avez tout. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis super contente. Je vais vous montrer, alors, si jamais vous voulez passer des... Ah oui, dernière petite info, donc sachez, si jamais vous voulez passer commande, mais il n'y a aucune obligation... en ce moment, il y a une promotion sur Stampin' Up. Vous gagnez en fait des coupons de 6 euros par tranche de 60 euros d'achat. Donc, vous les gardez bien, vous pourrez les dépenser en août. Et ça tombe bien parce qu'en août, il y a le nouveau catalogue hivernal qui arrive. Alors, toutes mes clientes, vous allez le recevoir automatiquement. D'accord? Vous n'avez rien à faire. D'accord? Rien du tout. Est-ce que l'on peut les déduire sur le prix des réductions que l'on aura eues? Oui, tout à fait, Nancy, tu verras. Voilà, donc c'est au mois d'août que vous pourrez les utiliser, d'accord, ces coupons. Donc surtout, tu les gardes bien précieusement, Nancy, parce que toi, tu commences à en avoir pas mal. Voilà. Et vous avez donc le code hôtesse du mois de juillet. N'oubliez pas de le mettre, de l'indiquer quand vous passez une commande par la boutique en ligne. Puisqu'en fait, ça vous rapporte des cadeaux. Cadeaux qui ont été envoyés là en fin de semaine. Surveillez celles qui ont passé des commandes avec moi sur la boutique en ligne. Surveillez vos boîtes aux lettres. Il y a des sets de tampons qui arrivent, des classeurs d'embossage. Il y a plein de choses qui arrivent chez vous pour vous remercier. Tout simplement pour vous dire merci de tout ce que vous m'apportez. Voilà. Oui, tu pourras les dépenser en une seule fois aussi, Nancy. Il n'y a aucun souci, tu pourras tout à fait les dépenser en une seule fois. Voilà, il n'y aura pas de problème. Bien écoutez, en tout cas, moi j'ai été ravie de partager ce moment avec vous, de voir que ça vous a plu. Je suis vraiment trop contente. Je vais finir le mien, je le mettrai sur le blog, ma version chien. Montrez-moi aussi les vôtres, hein. Je veux voir les vôtres. Voilà, avec les papiers que vous avez faits, Stampin' Up ou pas Stampin' Up, on s'en fiche. C'est le tout de passer un moment ensemble. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle semaine. Et puis, eh bien, on se retrouve jeudi pour notre live. Donc, que